Bonjour tout le monde, Zeflewen, j'espère que tout le monde va bien. Je suis désolée pour cette longue absence. Smhouli, ou la c'était plus fort que moi. Donc, راني وليت لكم وان شاء الله هاد المرة ما نعاودش نزيد نطاطل عليكم هكذا. دونك اujourd'hui ان شاء الله رايحين نديرو اون ريسيت فريمون تري فاسيل اللي هي البقلاوة التركية. تجي بنينة سهلة التحضير وما فيهاش مقادير بزاف. رايحين اليوم نديروها بالكاوكاو. ابخي كل واحد مقدور وقادرين تديروها باللوز، قادرين ديروها بلا باسكو لا فغي بقلاوه ترك تندار بالبيستاج. دونك اون اورا بيزوان سيل فو بلي دان باكي دو بات فيلو، كاكاوات مولو، دو دو فلور دورانجي، دو فاني، دو سكر ان بودر، ان بو دارم بيستاج اي دو سمن. سمن كوم جو فول دي توجور سي لو بور كلاريفيي. Alhamdoulilah, maintenant ça se vend ici en France, ça se vend dans les boucheries halal. Pour celles qui habitent à Clermont, donc ça se vend à la mondiale. On va commencer par faire fondre un peu de semaine, donc c'est pas vraiment, il n'y a pas de mesure exacte, vous verrez. Je vais mesurer, je vais commencer par la farce bien sûr. Donc je vais mettre 4 verres de cacahuètes grillées et moulues, une derba qui saine. Le kaas il fait environ 140 grammes, donc on a à peu près 560 grammes de cacahuètes moulues. Donc il y a environ 500-600 grammes de cacao melhé. On met le kaas là, ou l'habitou, donc 4 kilettes. Après, si vous voulez faire un grand plateau, vous faites le double. Je vais mettre 2 cuillères à soupe de sucre. ملعقتين سكر ناعم سكر ان بودر puisque ça va être un gâteau miellé donc on n'a pas besoin de mettre beaucoup de sucre. Cuillère à soupe de chapelure pour garder la farce molle. J'aimerais faire de la vanille. Un arôme pistache environ une cuillère. Je vais mettre un petit peu de cannelle. Je mélange le tout. Bismillah. Je vais le rouler comme pour faire le couscous. Je vais rajouter 2 cuillères à 3 de semaine fondue et 3 l'arroser à l'eau de fleur d'oranger. Une belle eau, je suis un tamasar, il n'y a pas de mesure exacte. Regardez, c'est comme quand on fait pour la baklawa habituelle. Je vais rajouter un petit peu encore. Voilà, et c'est fini. Maintenant, je vais mettre ça de côté. Et je vais m'occuper de la pâte filo. Je prépare un plateau qui va au four. Il fait 26 cm de largeur sur 36 cm de longueur. Après, vous pouvez utiliser un plus petit ou plus grand. Parce que c'est selon la quantité que vous voulez faire. Je vais étaler du semen. Je vais procéder par deux par deux. Donc, deux feuilles. ناخذ جوج وريقات هكذا نتعامل معاها غير بشويه باسكو تتقطع. فوالا لوتر جو فير سا جو لا رومي دو كوتي اي جو في ترافايي افيك سي دو فوي لا. جو ميتر ان بتي بو دو سمين اوسي ندير عليها شويه تاع سمين هكذا du beurre clarifié ou si vous n'avez pas ça vous pouvez utiliser du beurre aussi sauf qu'il faut enlever le liquide qu'il y a à l'intérieur, il faut le clarifier. Normalement ça se fait avec un bâtonnet mais on peut l'utiliser, on peut ne pas. Vous faites ça comme ça. On prend un petit peu de farce. On met une sorte de boudin. Regardez. Tout au long du pli là que je viens de faire. Donc je tourne. Et je continue de tourner. À la fin,
boudin, je vais étaler aussi du semaine. Et voilà. Je retire le bâtonnet légèrement. Et je vais froisser un petit peu mon boudin. Regardez, je vais le froisser comme ça. Et je vais le mettre dans le plateau. Il y a deux façons de le faire. Soit vous travaillez avec un bâtonnet comme ça, soit vous travaillez sans. C'est comme vous êtes à l'aise. Hein. J'ai oublié, il faut mettre un petit peu de vanille dans le semis pour donner un bon goût. Je vais mettre un peu de poudre de vanille. Il est ici, le bâtonnet. Donc, dès que vous finissez un, vous le déposez et vous mettez un peu de gras pour ne pas que la pâte se dessèche après. Là aussi, il ne faut pas trop les coller aussi pour faciliter la cuisson, pour ne pas que ça soit tout blanc là au fond. Je vais remettre un peu de gras aussi par-dessus. Ce n'est pas vraiment nécessaire le bâtonnet, c'est juste pour faciliter le froissement. Avant d'enfourner, on va les découper, soit en quatre pour faire des tronçons comme ça, soit en trois, c'est comme vous voulez. Hein. Bismillah. Et on enfourne. Regardez comment elle est bien dorée. On vérifie la cuisson si elle est toujours de. Regardez. De tous les côtés. Et on arrose de miel. Le miel, bien sûr, il est froid. La baklawa, elle est chaude. Elle est brûlante, je viens de la sortir du four. Et le miel doit être froid. Bismillah. Donc regardez, nesqiha hagda, environ 750 à 1 kg de miel. Je la laisse reposer jusqu'au lendemain. Là, vous avez le choix entre la décorer avec des cerneaux de noix comme ça, des pétales de fleurs comestibles, bien sûr, pétales de rose. Ou tout simplement de la poudre de cacahuète ou de la poudre d'amande, ce que vous voulez. On a le lendemain, donc je vous qui fais le baklawa, mashallah, aliha. Là, je vais la découper. Donc, je l'ai laissée toute une nuit dans son miel. Je vais la découper, je vais la mettre dans les caissettes. Voilà, regardez. Voilà, sa cuisson. Elle est bien dorée. Elle est bien dorée, au chauffe-eau. Et regardez comme elle est croustillante. Vous allez entendre. Voilà. Et à l'intérieur, la farce, elle est très tendre. Elle est chauffe-eau qui fait je jette. M'kalmcham barra. Elle est. Ou tariyem el dakhl. Salam alaikum. À la prochaine vidéo, inshallah.